Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Et donc, salut à tous et à toutes les amis, c'est Hattori, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild, pour le premier épisode. Donc, je suis un peu en retard au niveau du let's play, hein, j'en suis conscient, mais c'est pas grave. Du coup, c'est parti, hein. Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. D'accord, d'accord. Du coup, ça ouvre les portes. Je ne sais absolument pas où je suis, hein. Ouais. D'accord. C'est strictement rien. Ici, on a des coffres. Vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Accéder à la sacoche. Plus, hop, équipé. Voilà. Le deuxième coffre. Vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. On va aussi l'équiper. Donc voilà. Hop. Non. Ah, on peut courir avec B, d'accord. Ok. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Bon, du coup, bah, c'est parti, hein. On sort de cette grotte qui est plutôt futuriste au niveau du décor. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est super joli comme jeu. Super joli. Regardez-moi ça, le volcan d'Ordine, vos petits sapins, de l'herbe. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot en fait.
Ok. Branche d'arbre. Donnez un coup avec l'arme équipée. Ok. Arme passe facilement d'une arme à l'autre. Ah, ok, c'est pour switcher d'arme. Champignon, ce champignon, bon, je vais pas te lire. Ah, regardez. Je suis déjà tombé sur des ennemis. Est-ce qu'on... Non, c'est pas ça. Ok, je me suis fait, je vais m'accroupir pour aller plus doucement. Mais à part, alors là pour descendre, ah d'accord. Ouf, j'ai eu peur. Là-haut, il y a des petits champignons. Tac, tac, et tac, là-haut. Oh, il y avait un insecte. Ah, il y en a un là-bas. Peut-être qu'on peut les ramasser. Il y a aussi un oiseau. Est-ce qu'on peut ramasser... Ah non, ils se sont envolés. Oui, on peut ramasser les scarabées, l'âme. La forêt abrite en son sein le roi de tous les insectes. Faites cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède qui déborde de force. Ah, il y en a encore deux là. Voilà, ça fait toujours ça. Une autre branche d'arbre qui peut servir d'arme. Hop là. Oui, on peut pousser ça. C'est cool ça. Hop là. Alors, on avait vu... Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. D'accord. Guidé par la tablette. Position actuelle. Ah, donc la grotte, c'est le sanctuaire de la naissance. D'accord. On se repère un peu plus avec cette carte pas découverte. Plus du temps je pense. Ah, regardez les pommes. Bon, c'est un monde ouvert mais on va pas trop s'égarer, hein. Pomme grise, pomme grise directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Ouais, ma pomme grise. Oh, oh, oh. Allez, ça va, ça ne fait rien. Il y en a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi, c'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, qu'est-ce que tu cherches par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. À notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé à abandonner de tous. D'accord, je pense... Oh, attendez, oui, j'avais bien oublié quelque chose, c'est ce que je ne sais. Torche. Je me... Ah, il nous a appris à cibler. D'accord. Hache de bûcheron. La boy a l'air d'avoir oula une arme et comment j'ai fait ça moi. Ah, on peut s'accroupir comme ça, voilà.
Là-bas, il y a des rochers. Alors, le temple du temps, je pense qu'on le fera dans le prochain épisode, donc dans l'épisode 2. Et je vais aller à l'objectif qui se trouve quelque part par. Même encore plus loin, je pense, par là-bas. Je sais pas. Hop. Qu'on a une arme parce qu'il va bien falloir se défendre. Épée roupier. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien braqueur de grand renom. Elle peut encore servir mais se brisera très rapidement. D'accord. Du coup on va aller par là. On va pas aller visiter le temple du temps tout de suite. Hein. Enfin je l'ai dit juste avant mais pour vous rappeler. Là il y a un ennemi, on va essayer de l'affronter. Ouais, ça peut être faisable. Du coup pour s'accroupir c'était comme ça, essayer de le surprendre. Il m'a fait flipper. Ah, on peut récupérer son arme. Merci beaucoup. Hop là. Comme des bokoblins. D'accord. Oui, le temple du temps. Je suis sûr que vous êtes en train de m'engueuler pour y aller. Mais j'irai dans l'épisode 2. Oula. Bon. Ah, il y avait un lézard. C'est dommage. On va passer par... Les chouchous. D'accord, ça fait penser à Wind Waker, tout ça. Pas mal de monstres, hein. C'est assez tranquille, mais... Tiens, regardez. On a encore deux par là-bas. On va essayer de les faire. Il y en a un troisième qui est là. Apparemment l'objectif est là. Hein. Flèche de bois. Non, c'est pas ça pour s'accroupir. Ok, les deux m'ont vu. Oh d'accord, ils ont des arcs. On va prendre une massue beaucoup. L'autre derrière qui m'a vu. Arc beaucoup. D'accord. Bon, on est l'arc tiré. Ok. Voilà, il y a plein de flèches. Hop, tac, tac. Une autre là, oui. Voilà. Épée de voyageur. Bouclier beaucoup. D'accord. On va utiliser la torche. Pour terminer, on va s'équiper de ça. 5 flèches de bois. Ce qui nous fait 9 flèches pour tirer. D'accord. Ah oui, on peut ramasser. Donc, c'est ici l'objectif. Examiner. Veuillez insérer la tablette Shaker. Tablette Shaker reconnue, activation. Quelques secousses sont à prévoir. Je me mute pour la cinématique.
tour du prélude. Quelques secousses, quand même. Hein. Récupération des données, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire, désolé. Hop là. T'en as ? La carte de la zone a été enregistrée, donc ça sert à découvrir la map. D'accord, d'accord. Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Ou il sera trop tard. Fais vite. On a pu voir, je pense, le château d'Hyrule et le boss final. Guidé par la tablette. Très bien. Bon, donc je sais que ça a été un épisode assez court, mais on va devoir s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Mettez un like si la vidéo vous aura plu, un dislike si le contenu vous a pas plu. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Et je vous dis au prochain épisode qui sortira bientôt en compagnie de Link. Allez, salut!